Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver ici à Madrid, le stade Santiago Bernabéu, pour commenter ce match, bien sûr. Hervé Matou, c'est moi, et Pierre Ménès, c'est l'autre. Ouais, c'est la première journée de cette saison qui commence, et fait partie des jours qu'on adore dans l'année, on est toujours très excités. Le Real Madrid affronte le FC Barcelone. Ouais, Hervé, grand moment pour eux, la division 1, bah, c'est l'élite, hein. Et franchement, c'est mérité. Avec le temps, on a pu faire connaissance avec un effectif plein de qualités techniques et mentales. Bref, on les sent capables d'accomplir de grandes choses. Attention, si ça rentre. Ter Stegen le réflexe. Oh, magnifique. Allez, dans la surface, le corner de Modric. C'est repoussé par le gardien. Un bon centre adressé par Modric. Oh oui, magnifique! Oh, le ciseau, c'est splendide! Fantastique, le geste parfait! On n'a pas fini de le voir et de s'en réjouir de ce but! On revoit ce centre de Luka Modric. Ensuite, c'est Karim Benzema qui fait parler sa conservation de ballon et qui ajuste le gardien malgré une pression défensive. Coutinho. C'est Barcelone qui perd ce ballon. C'est Miro. Oh, il était temps d'intervenir là. Allez, il y avoir un petit peu de frisson là avec ce coup franc extrêmement bien placé. Real Madrid, on les appelle les meringues. Vous aimez les meringues, je crois, Pierre? Oui, j'adore ça. Alors là, pour le coup, c'est vrai, j'adore ça, les meringues. Voilà un commentaire technique. Strictement tactique et technique qui va énormément apporter à nos amis joueurs. Antoine Griezmann, Frankie de Jong. Il avait vu venir. Karim Benzema. Et le centre intercepté par Piqué. Modric qui va chercher un partenaire dans la surface. Rendu à l'adversaire par les Madrilènes. Ah oui, c'est bien fait ça. Ouais, la faute, hein. L'attaque qui a été enrayée. En haut, carton jaune. Mais c'est du jaune foncé, hein, vraiment, parce qu'on a déjà vu des gardiens se faire exclure, hein, pour moins que ça. Ousmane Dembélé. Oh, c'était pas mal joué, mais c'est manqué. Ouais, pas mal joué, c'est vrai, Hervé, mais enfin, il y a toujours ce but de retard. Un peu de maladresse de la part de Fernand Mendy. Luka Modric. Benzema. Oh, personne pour l'arrêter. Et attention. Coutinho. Et Messi. Perdu par Coutinho. Toni Kroos. Ouais, peut-être la passe lobée. Eden Hazard. Ouais, sans problème pour le gardien, ce centre. Le ballon sort, ça va être une touche.
La touche est ratée, le ballon est perdu. Modric, Casemiro, le ballon qui lui colle au pied, il est en train de faire un festival. Jordi Alba, il y a peut-être moyen de placer un contre, hein, attention. Une bonne protection du ballon. De Jong. Ouais, c'est bien dosé ça. Oh, le but! Oh, Barcelone qui recolle le score! Quelle réaction des Catalans, Pierre! Ah, et puis c'est qu'en même temps, c'est le Real en face, donc tu pouvais être sûr qu'ils allaient tout faire pour égaliser le plus vite possible. Carvajal. Avec Casemiro. Toni Kroos. Karim Benzema. Allez, faute, oui, faute et coup franc, ça peut être dangereux. Ah, c'est contré. Allez, peut-être l'amorce d'une contre-attaque, on va voir. Ouais, Messi, ça c'est bien joué. Ah, le tacle, superbe geste. Les joueurs du Real qui vont devoir se montrer sérieux hein, face à ce type d'adversaire. Ouais, Hervé, là, tous les pronostics le confirment, on devrait assister à un match serré. Donc je ne vais pas faire de pronostics, ça m'évitera de me gourer comme d'habitude. Attention, ce ballon piqué. Un superbe balle piqué pour tromper le gardien. Ah, mais quelle audace chez ce joueur. On savait qu'il était adroit, mais là, c'est vraiment gonflé de sa part tenter ça. Moi, j'adore, même si c'est quand même une petite humiliation pour le gardien adverse. Mais c'est bon d'humilier parfois. Avec des chiffres de possession de balle, pas super brillants pour le Real Madrid. Mais au moins, cette équipe sait se montrer réaliste quand elle a les occasions. Je dirais qu'elle va faire bloc pour préserver son avance. Ouais, il est passé. Le ballon piqué, attention. Ah, peut-être un corner qui va permettre au Barça d'égaliser, sait-on jamais. Ce sera un nouveau corner. Un corner qui va arriver en plein milieu de la surface. Allez, une place là pour une contre-attaque. Ouais, le contre en restera là. Ils ont perdu le ballon. Jordi Alba. Et Messi. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Ouais, très bonne sortie du gardien. Et donc, sortie de but. Et c'est une perte de balle pour le Real. Hakim de Jong. Le ballon dégagé au large. Modric. Allez, il va pouvoir amorcer un contre. En profondeur, oui, bien vu. Ouais, la bonne intention. Heureusement qu'il a été dévié. Sinon, c'était au fond. Ouais, il prenait clairement le chemin du but. Il y aura donc une minute de temps additionnel. Ouais, une passe levée pour Benzema. Ter Stegen qui s'interpose. Voilà, l'arbitre qui va renvoyer tout le monde au vestiaire sur ce score de 2 buts à 1. Et revenons, si vous voulez bien, sur la première période délivrée par Karim Benzema. C'est un doublé qui a eu son importance dans cette première période. Son équipe a le match en main désormais. Comment le Barça aborde cette seconde période. On rappelle qu'ils sont menés au score. Ousmane Dembélé. Là, ça joue pas mal. Ça circule, ils ont pris le dessus et ils peuvent espérer égaliser. Avec Dembélé.
Excellente intervention. Et il est toujours aussi précis dans ses transmissions. Le Barça qui va repartir avec la touche. Alors, on va chercher à donner un petit peu de largeur avec Jordi Alba maintenant sur le côté. Ouais, c'est bien donné une fois de plus. Ça va être perdu par le Barça. Ah, c'est bien dégagé devant, il va pouvoir s'enfoncer. Aucun problème pour le gardien. Bien anticipé. Avec De Jong. Sergio Busquets. Frenkie De Jong. Perdu par Eden Hazard. Ousmane Dembélé. Ouais, bien taclé. Le ballon qui n'est pour personne. Oui, il y a faute hein, sur le joueur du Barça. Coup franc. Busquets. Avec Busquets. Allez, faute, oui. Faute et coup franc. Ça peut être dangereux. Il faut absolument le cadrer, ce coup franc. C'est une belle occasion pour égaliser, en tout cas. Cavaral, Casemiro, Kamaric, ils construisent, ils font tourner. Non, c'est joué trop fort ce ballon, ce sera sans danger pour le gardien. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Messi, et il gagne quelques mètres. Oh, que c'est bien donné ça. Pas bien négocié ce ballon. Ballon aérien à destination de Benzema. Benzema, attention à lui. Et le but, ça fait 2 buts d'avance désormais pour le Real Madrid. Le réalisateur qui nous propose des images de cette contre-attaque. On voit le joueur qui échappe à la défense et qui vient tromper le gardien. Ouais, exploit individuel, belle preuve de sang-froid dans le dernier geste. Et avec ce nouveau but, ça nous fait donc 3-1 maintenant. Très bonne intervention, il lui a pris la balle. Oh, le ballon bien récupéré. Ouais, très joli but. Ah bah, il venait à peine d'entrer en jeu et sur un de ses premiers ballons, il marque. Bravo. Le ralenti avec cette énorme faute d'inattention, il faut bien le dire. Le ballon est perdu dans cette partie du terrain. Bah, ça fait très mal tout de suite. Le ballon récupéré sur cette intervention. Oh, il y a du monde sur lui. Le duel pour la récupération du ballon. Il est passé. Et le gardien à la réception de ce centre. Pour intercepter cette passe. Le gardien est sorti très vite. Oui, il n'a pas laissé le temps à l'attaquant de s'organiser.
Salut à toutes et à tous. C'est une très belle soirée qui s'annonce pour les deux équipes et pour le public. Et donc pour vous, puisque les conditions de jeu sont parfaites, il fait beau. On s'attend à un grand match de foot aujourd'hui. À côté de moi, je peux vous dire qu'il a hâte que ça commence. Pierre Ménès. Ça va se jouer dans une très très belle ambiance, hein, comme souvent dans cette compétition. Oui, avec des joueurs qui ont raté la première marche de cette saison, ils ne peuvent pas se permettre d'enregistrer une deuxième défaite d'affilée. Frankie de Jong, Griezmann, le ballon qui lui revient, c'est bien joué. Antoine Griezmann qui a manqué d'inspiration sur ce ballon, qui l'a rendu à l'adversaire. Ouais, bien joué de la part de Coutinho. Antoine Griezmann, ouais, le ballon est perdu. Ouais, le défenseur complètement dans le vent. Oh, quel geste! Pelé à la récupération de ce ballon. C'est pour Pelé. Il fallait le récupérer, hein, ce ballon. Attention, ça peut être dangereux. Ouais, très bonne intervention défensive. Bien joué de sa part. Messi. Dembélé. Jordi Alba qui gagne du terrain. Jordi Alba qui centre la surface. Ouais, ça profite. L'arbitre laisse jouer. Bien arbitré, ça. Zinedine Zidane. Oh, c'est bien donné en profondeur. Ah, ce ballon piqué qui vient tromper le gardien. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Coutinho. Un ballon perdu par le Barça. Griezmann. Et Messi. Ouais, ça c'est très bien défendu. C'est Clément Langlais qui était là pour intercepter ce ballon. Coutinho. De Jong. Allez, faute, oui, faute et coup franc, ça peut être dangereux. Coutinho. Zidane. Le Barça va pouvoir repartir. Ils ont repris ce ballon à l'adversaire. Allez, peut-être une bonne occasion. Il redonne à Griezmann. Ils attendent une ouverture dans la défense. Attention, qu'est-ce qu'il nous fait le gardien? Oh, il fait n'importe quoi. Il monte balle au pied. Le ballon qui file en touche. Après cette mauvaise passe. La touche qui est vraiment mal jouée, qui est rendue à l'adversaire. Qui va changer de camp.
Ousmane Dembélé. Jordi Alba. Ousmane Dembélé. Ah, ils ne les laissent pas respirer, hein, leurs adversaires, c'est assez bien vu. Le ballon qui a été dévié, c'est un corner à suivre. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Le gardien qui préfère boxer ce corner. Frankie de Jong. De Jong. Coutinho. Antoine Griezmann. Oh, c'est contré ce tir. Alors que visiblement, on s'oriente vers une autre tactique hein, pour l'équipe locale. Oui, Hervé, les défenseurs vont jouer le hors-jeu d'après les consignes de l'entraîneur. Gullit. Il cherche des solutions là. Il peut le mettre. Oh là 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 là, ça passe pas loin. C'est bien défendu parce que le tireur n'a pas eu le temps d'ajuster son tir comme il l'aurait voulu. Et le Barça qui n'a toujours pas marqué, 0-0. Messi. À Griezmann. Le bon ballon en profondeur. Et l'occasion. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient à hauteur de son adversaire. Allez, tout est à refaire, un but partout. Zidane. Ronaldinho. Rodriguez à la récupération. Ça, c'est donné à l'adversaire. Encore un bon ballon. Coutinho. Et il était en position de hors-jeu. Ils conservent, ils font circuler, mais ils attendent la faille, bien sûr. Interception de Sergio Busquets. Jordi Alba. Un petit peu de déchet dans le jeu de Jordi Alba qui perd la balle. Ouais, peut-être une situation intéressante là. Tacle et ce ballon qui sort en corner. En deux temps ce corner. Pelé à la récupération de ce ballon. Très belle récupération là. Un stade magnifique, Pierre, hein, avec des architectes qui ont été particulièrement imaginatifs. Hein. Moi, j'aime bien ces tribunes latérales en forme de voile de bateau. Ça donne de l'originalité à l'ensemble, enfin, pour ceux qui aiment le design, hein, évidemment. Récupéré par De Sailly. Zinedine Zidane. Le temps réglementaire est terminé. Une minute de plus maintenant. Ballon récupéré par Sergio Busquets. Sergio Busquets. Ça y est, c'est la mi-temps. Première période. Le coup d'envoi de la seconde période entre deux équipes qui, pour l'instant, font jeu égal. Et encore une bonne passe. Jordi Alba. C'est donné sur l'aile. Gérard Piqué. Pour Coutinho. C'est Barcelone qui perd ce ballon. Une ouverture. Fabio Cannavaro. Pierre, vous l'avez trouvé comment, Antoine Griezmann, dans ses 45 premières minutes? Je retiens surtout son but qui permet à son équipe d'égaliser, de rester dans le coup pour le moment.
L'adversaire qui hérite de ce ballon. Coutinho. Sergio Busquets. Coutinho. La passe de Coutinho. Et qui trouve un adversaire. Un coup franc pour le FC Barcelone. Coutinho. Il est parti trop tôt, dommage. Ronaldinho. Pour Zidane. On cherche la faille dans la défense adverse. Oh, le tacle glissé, attention au pénalty. Partie du public qui reproche à l'arbitre de ne pas avoir sifflé pénalty. Coutinho. Coutinho. À Griezmann. Busquets qui poursuit. Ouais, bien pris la défense. Il faudra revoir ce tacle, mais bon, ça joue. Ça pouvait siffler, on va voir si ça profite maintenant. Ouais, ça c'est très bien défendu. L'équipe locale qui compte jouer le hors-jeu maintenant. Ouais, c'est toujours un peu risqué ce type de défense. Messi. Messi qui a manqué sa passe et qui donne le ballon à l'adversaire. On va peut-être assister à une contre-attaque. Ouais, bien vu le centre en retrait. Contre-attaque parfaitement menée, qui ne pardonne pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la finition. Je valide. On revoit cette excellente inspiration, centre en retrait, toute la défense est surprise. Et ensuite, frappe à mi-distance, imparable, puissante. Le Barça est mené. On a bien défendu. Rodriguez à la récupération. Ouais, il y va tout seul, énorme occasion. Là, l'arbitre qui a sifflé, coup franc, rien à dire. Mauvais tacle, et l'arbitre qui laisse jouer. Hors-jeu, oui, hors-jeu. Busquets, sa passe est interceptée. Bonne intervention près de la ligne de touche. Ousmane Dembélé. Antoine Griezmann. Frenkie de Jong. Oh, bien joué. C'était chaud. Il a dégagé. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. À la défense qui respire parce que ce contre aurait pu être dangereux. Ouais, le défenseur qui enraye cette action. On entre dans le dernier quart d'heure de cette rencontre. Allez, il a de la place dans le couloir. Un ballon mal exploité. Ce sera une sortie de but. De Jong. Sergio Busquets. Griezmann, perdu un peu bêtement par Griezmann. Les joueurs qui sont menés, c'est maintenant qu'on va pouvoir voir s'ils ont des ressources mentales. Il faut qu'ils s'accrochent. Ouais, c'est pas simple pour les joueurs du Barça aujourd'hui, mais allez, il reste encore un peu de temps pour remonter ce petit but d'écart. On sent quand même qu'ils n'ont pas envie de perdre. De Sailly est le plus prompt. Les 9 dernières minutes du temps réglementaire. Les passes sont très soignées dans cette équipe. Oui, un excellent tempo. Attention, il y va tout seul. Oh, c'est pas fini, attention. Et Ter Stegen qui s'interpose sans problème. Un coup franc pour le FC Barcelone. Coutinho. Il y a un coup à jouer là pour Barcelone. L'égalisation peut-être au bout de cette action, pourquoi pas. Une bonne séquence de passes des Barcelonais.
Ça n'ira pas plus loin. Attention à ce ballon récupéré là très haut. Coutinho. Allez, Messi peut nous inventer quelque chose. Ah, la défense là, elle peut remercier son gardien. Il préserve ce petit but d'avance et son arrêt fait grand bien. Le ballon qui s'éloigne de la zone dangereuse. Messi. Oh, elle va faire du bien à son équipe, cette interception. Les supporters qui poussent pour voir leur équipe tenter de changer ce résultat. C'est vrai qu'ils ont beaucoup de pression en cette fin de match. Mais non, cette action ne donnera rien. Et on va jouer 2 minutes de plus. Antoine Griezmann. Allez, c'est la dernière, là. C'est la dernière, s'ils veulent égaliser. Oh, c'était dangereux. Allez, ils peuvent égaliser, là. Diego Maradona à la récupération. Ouais, faute, l'arbitre a tout à fait raison. La bonne conduite de balle, le contre qui est lancé. Le gardien qui repousse. L'arbitre qui siffle à l'instant la fin de cette rencontre qui se solde par la défaite de l'équipe visiteuse. Ouais, cette équipe qui s'incline de peu. Elle n'a pas été en dessous de tout, hein. Mais bon, elle a perdu. Et on va s'attarder un petit instant sur ce joueur qui a quand même été très bon aujourd'hui, hein, Pierre. Il a donc marqué ce but qui décide de l'issue du match. Il a toujours su accélérer le jeu. C'est une superbe performance. En profondeur. Ah, ce ballon piqué qui vient tromper le gardien. Et l'occasion. La parade du gardien qui repousse le ballon en jeu. Et le but de l'égalisation. Barcelone qui revient à hauteur de son adversaire. Attaque parfaitement menée, qui ne pardonne pas. C'est vraiment bien joué d'un bout à l'autre, de la récupération à la finition. She's found.
Salut tout le monde, très heureux de vous accueillir ici à Anfield. Vous l'attendez cette rencontre, et eh bien on va vous la faire vivre. Pierre Ménès et Imre Matou, avec un immense plaisir, c'est sûr. Liverpool contre le FC Barcelone. On va assister à un match passionnant, deux équipes qui pratiquent du très bon football. Ballon perdu par Mohamed Salah. Ah oui, la bonne passe. Sergio Busquets, Coutinho, occasion de prendre l'avantage. Ah, il récupère le ballon après un excellent pré. Oh, le bon ballon pour Griezmann. Ouais, bien joué de la part du gardien, fallait y aller. Mets qui perd le ballon. Léo Messi. Ah non, ballon perdu. Roberto Firmino. Anderson. Liverpool qui perd le ballon. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Ouais, ça passe pour lui un peu trop facilement quand même. Hein. Ah, c'est pas une défense, hein, Gruyère. Coutinho, Messi, c'est contré. Ousmane Dembélé. Ouais, l'arrêt du gardien qui ne relâche pas ce ballon. Un ballon perdu un peu bêtement par Griezmann. Roberto Firmino. C'est ça qui fait un peu Liverpool. Tout compris là, le défenseur, bien vu. Wijnaldum. Liverpool, ça peut être dangereux. Et frappe contrée par le défenseur. Sur le côté vers Messi. Oui, bien coupé, cette passe de Lionel Messi. Antoine Griezmann. Ousmane Dembélé. Ouais, défenseur qui enraye cette action. Busquets. Antoine Griezmann. L'occasion pour prendre les devants. C'est pour le gardien, ce ballon. Allez sortir, bien joué. Emirates qui perd le ballon. Coutinho. Salah. Firmino. Oh, le but peut-être. Le gardien, c'est pas fini. Antoine Griezmann. Frankie de Jong. Sergio Busquets. Ah, il perd le ballon, bon tacle. Wijnaldum. Ballon rendu à l'adversaire. Antoine Griezmann qui a manqué d'inspiration sur ce ballon. Qui l'a rendu à l'adversaire. Wijnaldum en profondeur, oui, bien vu. Oh, le bon ballon. Mohamed Salah. Non, sans problème pour le gardien. Assez serré dans ce match. Il y a un poule qui peut peut-être passer devant sur ce corner. Il faut s'appliquer. Un corner adressé au niveau du point de pénalty. Firmino qui peut créer le danger. Il en a le talent. Et le Barça qui n'a toujours pas marqué. 0-0. Allez, le Barça. Il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur ce ballon. Ouais, après un bon pressing, eh bien, il retrouve la possession du ballon.
Ah ouais, ça c'est bien, sur l'aile. Mohamed Salah. Ouh, à quelques centimètres. Pas mal fait sur le plan technique, il a manqué un petit brin de réussite. Messi. Ah, c'est sorti, ce sera une touche. De Gomez. Avec Vidjajdoum. Oh, c'est bien donné dans l'espace. Et le ballon est bien sorti, ce sera un corner. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. Oh, le joli plongeon pour rassurer tout le monde. Ouais, c'était pas la peine de forcer là-dessus, mais bon, fallait y aller quand même. C'est la jambe piquée. Et l'ouverture du score. Ah, on l'a senti un petit peu venir quand même. Hein. Ouais, leur domination a fini par payer. Et ça fait donc 1-0 au tableau d'affichage. Coutinho. Sergio Busquets. Antoine Griezmann. Frankie de Jong. Jordi Alba.